Bienvenue dans Topik Konversasyon et le topic aujourd'hui nous pour cause le Lazournen Mondyal Sida qui son jour il tombe demain le 1er décembre et aujourd'hui nous cause le mettre la fin avec bonne inégalité, mettre la fin avec Sida, mettre la fin avec bonne pandémie. Nous aussi pour voir bonne statistique aujourd'hui et avec moi pour aider moi faire ça aujourd'hui dans Topik Konversasyon, mon docteur Anna Gabriel sorti côté National AIDS Council qui pour donner nous plus de détails pour la journée mondiale pour Sida aussi que faire une petite activité qui nous pouvait passer là pour voir. Alors c'est la fois confortable pour Topik Konversasyon. Docteur Anne Gabriel, bonjour. Bonjour Carole. Comment ça va? Bon, bien merci. Bon, bien moi aussi. Seulement tu as une bonne nouvelle comme si qui pas trop faire les cœurs content il fait un petit peu dans la foyer un petit peu ou ton et l'autre variant. Au Micron, là, quand nous croyons quelque chose est capable, un petit peu plus passable, mais seulement, tu avais dit quelque chose est bien, c'est vrai? Mais oui, docteur, nous pouvons causer la journée mondiale pour Sida, qui tombe demain, le 1er décembre. Et là, aujourd'hui, nous pouvons causer un petit peu de bonnes statistiques, nous pouvons parler de l'inégalité, de mettre la fin avec une inégalité, mettre la fin avec Sida, mettre la fin avec une pandémie. On nous parle même de ça, mettre la fin avec une inégalité. OK, merci Carole. Bonne inégalité, nous peut causer inégalité, nous peut causer sida, nous peut causer la pandémie. Et de suite comment nous causer sida, nous imagine et quand c'était bonne quelque chose pareil leave no one behind. À quoi nous connaît qui il pas nécessairement égal ça qui peut arriver au niveau sida. Même pareil au niveau quantité du monde qui gagne infecté, il y a dans certains pays gagne plus affecté que les restes. Mais même si le numéro est bas, pareil, si c'est celle, il affecte ou d'une certaine façon. Et même dans une communauté, il y a dans certaines communautés qui ne peuvent pas gagner tout ça du tout. Il y a dans certaines communautés qui peuvent gagner l'attention, mais ce n'est pas nécessairement qui peut profiter de l'eau-là. Après, il y a une bonne inégalité au niveau LAS. Ici, c'est celle aussi, nous avons une bonne inégalité. Par exemple, en 2020, nous avons plus de monde qui est mort par là aux 50 ans qui ont les autres LAS. Parmi bonnes zènes, il y en a plus de filles qui sont infectées que bon garçons. Parmi les autres adultes, il y en a plus de garçons, plus d'hommes qui sont infectés comparé avec bonne madame. Et même les taux de traitement, il y en a parfois, il y en a bonne madame qui profite, qui vient devant pour traiter, pour venir prendre son traitement. Il y en a beaucoup d'hommes qui pas nécessairement pour prendre un traitement bien. So, tout ça, là, il y a une bonne inégalité qui nous pouvons adresser, là, qui est la campagne qui est lancée pour encore un an. La campagne qui nous a lancé un an, après, nous mettons la fin avec SIDA. Parce que tous les jours, SIDA, nous ne traitons pas SIDA c'est le 1er décembre, parce que tous les jours, nous causons SIDA. Et mettons la fin avec SIDA, il y a un mot qui, tous les jours, nous causons là. Oui, nous causons encore là, les médias, mais encore, peut-être nous causons en globe, étant une petite inégalité SIDA avec la pandémie. Et là, pareil, nous voyons, nous avons besoin, pareil, nous y tacle sa pandémie COVID. Donc, nous voyons l'impact quantité le nous bonnes les autres maladies, incluant SIDA. Et naturellement, les temps où nous restrictons le mouvement de bonne santé, la santé, naturellement, tout ça qui peut venir, inclut bon du monde qui peut gagner HIV, c'est aussi, c'est pour gagner affecté d'une certaine façon. Et les temps, bon stock qui gagne limité, au niveau mondial, au niveau national, côté ou besoin prioritiser, nous aussi on est affecté à cause aussi on tombe dans sa bonne groupe, dans les autres maladies à part que COVID. Et nous voit que nous y pensons pas, nous y faisons ça l'atelier le 1er décembre 2020, nous y pensons qu'il y a COVID inaffecté et HIV c'est elle. Et nous pensons qu'on a une transmission communauté. Et nous tin quoi nous tin fini connait comment nous pour dire avec les temps transmission communauté vini mais les temps transmission communauté vini une tape noire plein pareil ou cap dit pareil les autres maladies côte les temps bonne restriction ils mettaient nous va nous si nous gagne affecté au niveau HIV et sida. Et le temps dit côté c'est HIV et sida il gagne affecté mondialement en traitement avec bonne artisan. Est-ce qu'il veut dire qu'ils ont le traitement bonne pas aussi il diminue mais pas par côté clinique aussi. Bon, premièrement pour tester pareil pour voir il y a une réduction de quantité patient qui gagne détecté. Ça il montre ou de suite qui nous réduit quantité le nous quantité test qui nous fait test à l'hôpital et après priorité pareil c'est du monde il parle côté privé.
pour dire à demander test COVID en même temps pour demander test HIV coûte lui. Alors ça aussi réduit son accès avec test. Et les targets au niveau traitement ou pep en gars ou stocker fini à cause là-bas avion papier ou bien sa factory lui-même il réduit quantité qui peut produire ou qui ou besoin faire ou besoin donne patient qui fait des semaines et mois à la fois dans l'espace que tout ce qu'a donne ni 3 mois à la fois il fait lui besoin plus souvent et à chaque fois qu'il passe côté centre de la santé ou besoin passe dans l'attente triage ou bien du côté où peut aller ou besoin par exemple il vient OK à stigmatisation même si hadi mon papa est en train ou côté ou peut aller de fois qu'on peut dire lui mon père côté ici ou peut pas gars croire ou peut aller ou peut assez sur la tisane par exemple il vient un deterrent in a way de qui côté ça dit mon il sentit lui qui il par exemple il devoir aller devant tout le monde comme si il vient avec problème pendant 3 mois qui misait toute la zone par exemple il peut venir oui mais par exemple pour finir quand on pas venir du tout so ça il affecté service de sa niveau. Mais seulement en gros, docteur, vous avez une compense, ben pas chance HIV, pas chance SIDA, vous avez une compense, ça ça bout de là seulement concernant la tisane. Well, il comprend mais ou pas comprend. Dans le sens qui ou comprend mais c'est moi ou pas comprend la cause qui ou besoin d'être affecté de cette façon. Mais nous tout nous comprend que avec COVID nous la vie sans e. Nous la vie sans e dans le sens qui à chaque fois que vous pouvez entrer dans un bureau ou besoin de nous non ou besoin sanitaire ou besoin dire que tu peux aller parler il y en a dit que tu peux le faire comme si il infringe un peu le nom privacy que le nom quelque chose qui nous pas habitué dire du monde au numéro de téléphone ou tout quelque chose et ça de suite quand vous dites vous comprend mais il y en a dit pour certains du monde les tombes besoin faire tous les 2 semaines vous pouvez faire tous les mois de même endroit il vient un restreint pour il vient un problème comme si vous pas dire tout du monde comprend il y en a qui comprend mais il y en a pas nécessairement qui est capable d'assister avec ça. Ça veut dire pas venir du tout. Il y en a qui viennent. Il y en a qui nous voient, il y en a des gens qui plutôt in give up. Il y en a des gens qui décident qui il y a fini de mon papier à l'encore. Et il y en a des gens qui n'arrêtent pas sur la tisane. Et ça là est quelque chose qui est remarquable. En 2018, dernière fois qui nous tient beaucoup là moi, 2018, nous tient 19. La mode est là année. Ça là depuis janvier jusqu'en septembre nous fini gars nous 19. Il a 16 bonnes hommes et 3 madames. Et dans ça, 19 patients qui nous ont perdu, il y en a 3 qui aussi ont eu COVID à part de SIDA. À part de SIDA. Oui, ça veut dire qu'ils ont été affectés. Ils ont été affectés avec SIDA. Ils ont été affectés avec SIDA, après ils ont été affectés avec COVID encore, qui vous a causé la mort. Oui, à cause nous comprenons, pareil, HIV, il y a une bonne maladie qui affecte au système immunité. Et il y a des gens qui sont stasi avancés. Avec HIV, il a stade SIDA, s'il ne peut pas prendre son traitement, son immunité est vraiment bas. Et là, il est facile pour lui gagner des complications avec COVID. Et ça même que si un des gens il ne prend pas la tisane, après il gagne COVID, il gagne des complications. Son risque là, moi, est plus haut. Mais par contre, si ça dit qu'il peut prendre bien son la tisane, il son CD4, il est assez haut, il son viral load est bas, là, ça dit qu'il quand même COVID est frappé. Il pas pour gagner affecté autant pareil n'importe qui. Ça même ça et il y en a quelque chose aussi pareil la vaccination. Nous encourage patient pour son vaccin aussi à cause ça aussi il aide pour empêcher les gagner aucune complication après à cause nous bonne pas chance SIDA nous bonne pas chance HIV ils gagner considéré plus vulnérable. C'est tout là. Si les autres pas prendre bien sur la tisane avec sa pandémie COVID-19. Ils gagner considéré comme plus vulnérable. Plus facile gagner complication oui. À cause du système immunité il bas. Il vraiment bas. Il y a l'autre maladie encore qui entre facile pour autres perdre autres la vie. Si autres pas prendre, si autres pas prendre vaccin ou bien autres pas prendre bien autres la tisane. Docteur, dans nos statistiques la mort, on a statistique pour ça là. OK. Again, encore l'état pareil nous prendre statistiques. Pour tout le temps dit monde demande nos statistiques, mais statistiques ils disent nous combien qui dit monde qui détecté dans banque qui testé. Mais moi dit nous pas faire quantité test ça là. Tiens, on pose même pour bonnes NGOs, pour de bonnes communautés, tout une ferme, mais c'est même pas autant qu'ils ont envie de faire. Et là, l'État peut regarder, nous avons 49 cas depuis janvier jusqu'en septembre. Et l'année passée, on tient, nous avons 84 cas. Mais l'État nous peut regarder, il n'y a pas vraiment d'indicateur quand c'était HIV dans la communauté à cause de mon papier vendé avant de venir tester. Ça qui nous recorde. Ça qui nous recorde. Et ça, il est un peu inquiétant. Dans le sens qui dit moni quoi nous OK mais nous pas OK à cause si nous pas venir devant pour tester nous pas pour connaître si nous en HIV
et faut espérer là qui bon quelque chose il nous plie quand nous plie quand covid moi il était nous plie assister nous la vie avec faut espérer l'année prochaine nous prend plus sa responsabilité de nous-mêmes pour nous faire nos tests HIV et pour le ministère de la santé pour nous rien. Mon secrétaire occupé regarde nous là bon matin sous pourquoi elle fait au test quand nous statut il est important pour qu'on au statut alors dans le ministère de la santé fait au test et on connaît là vraiment qui était à cause de sous pour vivre dans doute même sous pour vivre dans la peur cause pourquoi fait test va pour faire aucun va pour la peine à l'hôpital ou qu'on au statut bien bonheur et on connaît qui pour faire et là-bas bonne bonne direction pour un traitement qui possible si n'a pas rien ou pas positif pour sida alors ce qu'on est on ne presse à pas on a fait au test. Docteur, nous causons un petit peu, par exemple, la zone mondiale pour sida, vous connaissez, avant COVID, si là, son apparition, si le temps, il y a une activité qui n'a qu'à habiter, organiser. Est-ce que ça l'en est pour un homme, mais il n'y a pas du tout, mais c'est pour un petit emploi? Bon, tout quelque chose qui nous fait ça l'en est, depuis qu'on passe pour l'en est, c'est un petit emploi, pareil, vous pouvez dire. L'essence qui, aucun regroupement, il y a un risque ou un COVID. Mais dis-moi, nous devons imaginer que, avant qu'il y ait une pandémie COVID, il y a une pandémie SIDA. Et pandémie SIDA, malheureusement, il restait là 40 ans. Il fait nous 40 ans, ça l'en est, depuis que tu as annoncé, les 580, tu as annoncé publiquement qu'il y a un virus, qu'il y a une maladie qui peut affecter certains groupes de population en Amérique. Et 40 ans plus tard, nous encore pelité. Nous faisons que c'est progrès, que c'est dit que nous avons la tisane, que tu n'as pas. Et quand c'était testé pour faire même si c'est seul côté si d'un plus ouvert qui est capable de dire nous réduisons quand c'était ça stigma mais c'est still encore un an au niveau individuel mais là nous avec une deuxième pandémie et nous besoin pour ça nous assister même si qui nous pas augmente nos risques qui nous capable de gagner un ou bien l'autre et ça l'année qui nous t'y fait l'état nous fait ça l'atelier l'année passée. Nous avons des bonnes gaps, des bonnes manquements. Et quelque chose, c'était manque d'information. Nous avons dit que nous n'avons pas assez d'information, le HIV, la transmission. Et avec UNFPA, nous avons un programme qui nous fait commencer en septembre. Il s'appelle Comprehensive Sexuality Education. Et la semaine passée, il y a un consultant qui travaille le programme, le guide qui peut servir. Et nous commençons un training of trainers. Il y a un entraînement qui nous a fait la semaine passée. Et là, demain, nous pour faire une validation, ça document. Donc, il y a un document UNFP, nous adaptons au niveau contexte local. Et pour qu'il serve, il passe à bon différents organisations, avec le ministère de la Santé, pour amener ça l'information. Pas juste de bonne école, mais aussi de bonne famille, bonne zen, ou bien bonne les autres dimons, les autres zen adultes, pour qu'il amène ça l'information devant. Et ça pose pour continuer à peu près 4-5 ans. Mais ça là on nous fait si nous on a sa matériau qui nous tout nous peut servir pareil à cause avant ça qu'elle servait pour lui ou tiennent la santé servait pour lui enjoy servait pour lui l'autre organisation servait pour lui là nous peut mettre ensemble faire seul nous tout nous peut même un seul parasol nous servir même l'information qui nous pas confise tout monde nous pas confise nous bonne zen et ça y a grand pause ça y est après vendredi encore les nous cause inégalité. Il y a un groupe qui est une population clé qui gagne plus de risques de gagner HIV, plus haut risque de gagner HIV. Et nous prenons un groupe de monde qui peut venir ensemble pour autres aussi, pour autres faire un atelier, pour regarder comment les autres peuvent faire plus de prévention dans d'autres communautés. Et tout ça là pour nous capables de réduire ça, les bonnes inégalités, réduire un peu ça, l'écart qui déjà existe de la population. Nous avons l'éducation. Est-ce qu'il a à ce point-là, après tout ça, le temps, quand le sida il concerne, est-ce qu'il veut dire qu'il y a un manque d'éducation ou quoi? Malheureusement, oui. Il y a encore, par exemple, avec l'éducation, par exemple, on enseigne un groupe d'enfants de 12 ans. Même si on finit enseigner d'une façon, le temps, il gagne 13 ans, 14 ans, 15 ans, ou besoin de continuer tous les ans pour redonner sa information. C'était tout sens façon ou dire ou bien même mes enfants 6 ans l'état n'a besoin de redire de l'autre façon qui plus approprié avec son âge. So, l'éducation n'est pas jamais finie. Ils disent qu'ils ont besoin d'assister avec ses constances, avec sa dimension. Et ça, il y a quelque chose qui nous peut renforcer.
Et l'état nous fini arrange-li pour bon du monde qui en dehors par le ministère de l'éducation. Nous pensons que le ministère de l'éducation aussi pour revoir pour lui, pour qu'il y ait nous faire de façon plus efficace. Et qu'il y ait nous pour donner bagages, bon enseignant, pour capable d'emmener ça l'information. Et après, un groupe qui nous pas vraiment servi, et ça qui nous appelle bon père éducateur. Bon du monde même là, qui nous donne ça l'information. Et à un moment approprié, ils passent ça l'information avec les dallons, avec les autres même groupe là. Ce sont un homme de trois bonnes mamans et 15 ans, ou train les autres, le HIV, ou donne les autres ça l'information. Les autres amis, il y a un problème, ils sont capables de servir ça l'information pour aider les autres amis, au lieu que ça dit qu'ils ont besoin à côté enseignant, à côté adulte. Qui peut-être pas sentir les confortables. Qu'est-ce qu'il y a de confortable dans le groupe, là, entre les autres, mais ça, il peut gagner bien passé. Oui, même pareil, si vous pouvez regarder la prison, par exemple, on est quand tu dis qu'il y a des asservides ou qu'il y a un risque. Si vous faites ou enseignez ça groupe, un groupe, bon père éducateur, un bon, qui a besoin de l'information, les temps, il y a un qui a besoin de l'information, il peut passer avec ça, dit mon côté. Ou pas besoin d'aller à mettre l'appointement, côté pour gagner l'information. So mo quand le temps nous pour explore qui moyen nous capable partager l'information plus ça il pour faire une différence définitivement. Docteur il y a un des toi dimon qui peut call dans ta question mon peut prendre en même temps en une demander quel âge qui sont capable commencer à faire autre test première question ça. OK là qui là c'est dimon qui a fait un test n'importe là c'est dimon qui capable faire un test. Mais est-ce qu'il peut besoin permission à l'autre monde? Par exemple, si vous faites pour un enfant, vous avez besoin de raison, si vous avez l'habit, c'est que si vous avez besoin naturellement ou vous avez besoin d'un consentement de son parent. Mais le temps, un monde, par exemple, un monde, il est en il dit comme ça, il est violé, whatever. Si son parent n'est pas là, il y a un là qui a fait une décision, si un monde a 15 ans. Ou besoin ça dit mon qui signore là dans l'endroit il documenter comme quoi il besoin faire ça test il besoin conseiller ça dit mon mais après le temps pour donner un résultat ou même son parent bien dit mon qui en sazri et dit mon qui responsable et à part ça n'importe qui ou capable qui capable faire ça test et pour dire que pareil bon petit baba qui ne fait que si autre maman ti HIV positif autre aussi autre gagner test avec consentement parent mais si pareil parent il dans mettons dans drogue ou bien pas de vini ou bien une petite enfant là naturellement il besoin d'un dit monde qui est capable de faire décision là voilà, et documenter et consentement et pour qu'a fait ça petit baba et l'année passée nous tient dans 23 mamans qui étaient enceintes qui étaient positives et HIV tient un petit baba qui tient un petit baba qui tient avec HIV et en 2020 tient un deux petits baba qui tient avec HIV. OK, ou qui n'a call nous, mon souhaité docteur de répondre aux questions. Il y a une autre call aussi. Il demandait si il gagne 60 ans, en plus que 60 ans, par là ou 60 ans, si il est capable de faire son test ou bien il n'est pas capable. OK, il n'a pas fait test par là ou 60 ans. OK. Ça qui est intéressant, l'année passée, il y a 3 personnes par là ou 65 ans qui ont gagné infecté. Et il y a 2 personnes qui sont mortes avec SIDA en 2020. Il y a 10 personnes là-dedans. Il y a 6 qui sont par là ou 60 ans. Par là où 50 ans, 50. Oui, oui. So, l'État nous peut regarder, nous, au groupe vulnérable. Naturellement, nous avons une bonne zen qui est vulnérable. Mais nous peut guetter, nous, bon, dimon, par là où 50 ans aussi, est vulnérable. Et tout le monde dit, l'État nous vient là, dimon, il demande, par là où 50 ans, par là où 50 ans, dimon, il tente pour, comme si il relaxe un petit gain, vous comprenez, nous arrivons à un certain âge, maman est grand, pour ça, nous pour enjoy. Non, nous comprenons comme si nous lag tout quelque chose et là nous pour divertir content la présent finalement comme si nous capable enjoy la vie et là tout le monde est à risque et parfois un nouveau partenaire même et ça nouveau partenaire il pas même là nécessairement avec autres il y en a qui sont qui plaisent. Il y en a qui déjà en risque. Il y en a qui fois qui servent. Nécessairement, nous connaissons notre history, notre past history. Et il y en a du monde, après 50 ans, ils décident de commencer à servir de drogue depuis que dans l'avenir aussi, ils ont envie d'essayer un coup, ils ont envie de passer une petite aventure aussi. Et là aussi, ils sont capables de mettre son écho à risque. Donc, si tu n'as pas choisi l'âge, nous tout le temps dit. N'importe qui l'âge est capable de gagner HIV. Et nous avons déjà détecté HIV dans du monde par là aux 70 ans, 74 ans, je crois, nous plus vieux du monde.
Alors, autant qui ou indimouni fait sexe, ou bien son partenaire est actif, il est capable de mettre HIV contre lui, ou bien si il commence à servir drogue dans la veine, aucune sa bonne activité, il est capable de mettre sa dimouni à risque. Alors, il n'y a pas une question là-bas. Il n'y a pas une question là-bas. L'autre question, quand on a une vini, il peut demander, je ne sais pas si vous répondez à un docteur, concernant un bon dimouni, un patient HIV, un patient qui est là, un bon qui prend vaccin COVID, il peut dire si vous avez aucun effet adverse avec ça. Je ne sais pas si vous répondez à un test vaccin COVID, mais même si vous avez aucun effet adverse. L'effet adverse n'est pas pour plus qui, pour n'importe qui. Donc, si un dimouni, ordinairement, qui me dit, cause avec le docteur, quand c'est des CIU, regardez qui m'aille les autres statuts. Virus y était dans les corps, quand c'était virus dans les corps, c'est différent. Il y a des autres de la santé en général et il y a des conseils qui m'ont dit qui pour prendre et quand pour prendre. Et quand c'était pas, c'est pas si on prend un vaccin. Mm-hmm. Oui. Et parfois, il y en a des gens qui ne prennent pas de les passer. À quoi le temps vaccin s'est fait commencer à partir à Syrie? Si bon du monde qui en a HIV capable de prendre, même du monde cancer, même les autres bonnes maladies, il y en a du monde qui prend pour sa raison que de pas tirer. Mais avec évolution, qui nous en plus vaccin au marché, qui nous en plus qualité vaccin, et vaccin lui-même, même son brand il amélioré. Oui, le son quantité, le son scope, le quantité quelque chose, son côté du monde qui capable de prendre. Naturellement, bon du monde qui vit avec HIV, il est capable de prendre un vaccin. Mais c'est moi qui ai besoin de consulter. Le docteur, regardez qui m'a dit les autres, le statut de la santé qui était pour le moment. Mm-hmm. Après, il peut demander, ça a une question, en travers corps à corps, il peut demander des hommes qui restent avec camarades, peuvent vivre avec camarades. Les autres peuvent demander si c'est conseillable pour eux de faire les autres. Oui. N'importe qui, si on a la vie sexuelle, n'importe qui ou besoin vin faire un test ou besoin quand même une fois par an là avec COVID que fait notre pas faire une fois par an. Mais à chaque fois aussi qui ou quoi on prend un risque, mettons on fait un test mais seulement après on gagne un risque pour une certaine raison on sorti sans un capote. Et ou quoi, ça dit qu'on est capable d'infecter ou naturellement, n'importe là, ou pas faire encore un test, définitivement. Mais ça qui nous en a, il appelle PrEP, il y a l'artisane HIV, qui dit qu'on est dans une relation entre un y en a HIV et l'autre n'a pas. Ça, un qui n'a pas, il est capable d'aller à l'artisane pour lui pas gagner l'infection. Il s'en informe prévention. So c'est cause avec docteur au CDCU et là il est capable prescrire à qui on appelle PrEP et il y en a du monde qui le PrEP ici si c'est seul mais naturellement si ou le PrEP ou pas supposé infecté mais seulement il y en a son protocole que tout besoin de temps en temps à tester à regarder si ou pas infecté. Oui. Pour qu'il en colle qu'il en demande une bonne question, merci. Et docteur Gabriel là, il répond aux questions. Et si on a encore question, dites-le colle nous, on soit texte nous, comme ça on est capable de répondre toutes bonnes questions. Et docteur, nous peut causer le bonne activité, nous passe le statistique en même temps. Et après il y en a sa question, sa tabou, mon cas dit quand on gagne un texte là. Nous avons ce tabou, il peut demander, là, dans sa pandémie COVID-19, est-ce que des gens peuvent faire victimiser son camarade, comme si on pas chance d'être à cause de là, est-ce que des gens peuvent victimiser les autres camarades pour le temps, si tout le temps, les autres latisans de code clinique? Nous ne sommes pas capables de victimiser dans le sens qu'un des gens peut gagner, battre, peut gagner, faire quelque chose mal écrit. Mais tout le temps on a ça qui nous appelle stigmatisation et tout le temps on a des gens très tout différents là ils connaissent qui ont un HIV ou bien ils quand même pas très tout différents façon ils gèrent tout ou ils font ou comprennent quand ils font les marques de son fort ou ça va nous parler comme ça aussi ils passent avec HIV nous voir même avec COVID oui quand même si des gens sortent de quarantaine après 14 jours des gens refusent remettre les dans leur travail. Maman, il peut retourner différemment. Oui, comme si vous dites, il traite tout différemment. Même si on dit, il est dit, il n'est pas pour dans nous, maladie. Mais naturellement, les autres ont ça qui la frayeur qui s'est dit, il n'est pas capable d'affecter les autres. Mais
qui nous voit, c'est que le temps, nous augmente la quantité de tests. Là, ça n'a rien de ça à cause de COVID. Quand le test est un prix accessible, et la quantité de monde a testé dans le privé. En 2020, nous avons plus de 5000 tests qui ont fait dans le privé. À peu près 20% de nos tests ont fait dans le privé. Nous voyons une augmentation là dans la communauté. NGO personnel de communauté, il fait bon test, du monde il fait autre test et ça a augmenté sorti 5%, il monte, il arrive 15-17%, bon test qui nous fait, il fait dans communauté, dans outreach. So nous voyons réduire quand c'était sa stigmatisation autour HIV, mais il pas encore fini. Et moi pensais que plus l'information, il peut aider que nous réduire un peu ça la bonne la frayeur. Nous réduisons les conseils qui disent qu'ils sont capables. Oui, au niveau de l'homme avec HIV ou bien SIDA. Pourquoi la situation, quand nous arrivons, SIDA est parti, nous l'avons, nous avons besoin de comprendre par tout, nous pouvons boire un verre de l'eau, comme si sa petite minorité, sa groupe de l'homme qui peut faire sa bonne stigmatisation, moi, je crois qu'il n'est pas comme si capable d'adapter, pour exemple, il n'est pas adapté avec son corps, mais il comprend pour dire SIDA est là. Oui. Vous connaissez, nous devons faire une différence dans le passé. C'est le temps SIDA ou bien HIV, in tous nous, personnellement. Nous voyons même avec COVID, ça veut dire qui peut crier, ça veut dire que COVID, ça borde, il est tout sous famille, ou bien où l'on doit travailler, ou sans zéro latitude envers lui. Et nous ne sommes pas contents, ça y est arrivé, quand SIDA est tout sac famille, ici c'est celle. Mais nous connaissons comme là, et quand c'était nous connaissons 10 personnes qui peuvent vivre avec HIV, qui bien. Il préfère bien sur la tisane, nous payons. Même pas ni connaissons si gagne. Rien. Malheureusement, c'est que la salon est pareil, nous voit avec COVID. Quand il y a certains du monde, pour différentes raisons, ils give up, ou capable de dire, ils perdent l'espoir. Là, nous regagnons encore un des sabons du monde qui est mort avec sa accident, même si les autres tiennent pour la tisane, pour payer le temps. Là, pour eux, ils réamènent encore sa stigmatisation. Il réamène encore sa bonne portrait qui nous tient fini éliminer pour le temps passé. Et il faut espérer qu'il nous capable de reprendre. Là, qu'ils en viennent, nous reprendre, nous éliminer encore sa bonne qualité portrait négative qui nous tient dans la société avant. Un texte qui est tombé, docteur, il peut demander pour bon 10 personnes. Là, je vous servis le mot sex worker, puis toi, que vous observez l'autre mot. Nous disons bon sex worker, il dit bon, pour bon sex worker qui travaillent comme ça, les autres qui m'aillent pour les autres qui passent, à cause des autres qui dorment avec n'importe qui dit mon nom qui passe. OK. L'État nous guette, nous travaillons sexe. Sa dernière 5 ans, l'État nous peut guetter quand c'était dit quand c'était qu'il y a infecté, il y a à peu près 8-9% comme ça. Mais l'État nous fait ça, ça l'étude en 2015, c'est à peu près 4-5% qui est infecté. Il y a beaucoup moins qui bande du monde qui servent de drogue dans la veine. Il y a beaucoup moins qui bande du monde homosexuel, bande hommes homosexuels. Et pour certaines raisons, ils ont porté les autres corps. Mais ça qui est dangereux, nous qui nous voyons, c'est ça, les temps autres liés, travail sexe, ensemble avec servir de drogue dans la veine. Ça y beaucoup augmente le risque. Vous avez servi du monde comme si? Oui, comme si, pardon? Nous peut dire servir monde comme oui, si comme si ça travaillait sexe présent il même qui peut piquer il peut servir oui donc dans la veine ou bien son partenaire servir donc dans la veine pour capable faire un petit peu plus l'argent parfois ça aussi ça qui amène un peu plus risque définitivement mais son travail il vrai il y a un travail à haut risque mais le temps nous pour regarder il y en a qui se servir son capote. Il y en a différents quelque chose et l'état nous peut guetter travailler sexe nous besoin imaginer il y en a sa partenaire il y en a sa client et vous pouvez imaginer qui sa client aussi ou besoin porter sous l'école l'état peut servir un travailleur sexe oui. Et même sa client aussi s'il y en a sur la cour en même temps il est sa travailleur sexe aussi à cause il est capable sa client lui vient pareil une population qui appelle bonne pont qui présent il entre sa population travailleur sexe avec population générale. Il vit dans un bridge et qui amène sa l'infection dans son population générale, il amène l'infection dans son bonne les autres partenaires. Bon, si posé docteur, il répond au texte bonne qui dans doute là, qui peut texte nous, mais si pour autre bonne question, autre bonne concerne,
Ok, nous avons quelque chose, docteur, pour voir les salonnais, quoi qui est différent encore? Ok. Qui est différent, salonnais? C'est que les Nations Unies ils relancent son déclaration politique au niveau de HIV and AIDS. La dernière fois que ça a été fait en 2016, ils ont tenu sa stratégie mondiale. Et là, ils relancent encore en 2021. Ils ont sa nouvelle déclaration politique. Et pour dire que le président Ramkalawan a un bon chef d'État qui amène son contribution, qui amène son support pour sa déclaration politique au niveau de HIV. Et à chaque fois qu'il nous signe un agrément, à chaque fois qu'il nous endosse un agrément, il veut dire qu'il nous aussi nous d'accord pour nous engager nous dans sa stratégie qui promène nous encore 5 ans. Et sa bonne engagement, il est préparé sa bonne 2016, quand bon pays besoin engage autres pour faire bon test HIV bien accessible, ak, qui est bon traitement bien accessible pour tout bon dimoun qui en an HIV et qui dimoun y gagne traité bien et qui est bon virus y gagne supprimé bien, mais aussi nous get gender based violence, bon violence domestique, nous aussi get bon différence, bon inégalité. Et les Nations Unies disent que si nous abordons toute cette inégalité, nous sommes capables d'aborder pas le sida, mais les autres pandémies, par exemple, COVID, à cause de cette inégalité qui vraiment fait une pandémie propager. Et accès avec test, accès avec traitement, et quelque chose qui fait nous plus vulnérables par les violences domestiques. Tout ça, là, nous voit pas de COVID aussi, il a augmenté. Et tout ça là, l'État nous met ensemble, si nous focus, nous bien là, nous pouvons éliminer toute bonne pandémie qui nous peut avec, oui. Augmenter. Voilà, docteur Gabriel, nous pouvons vérifier s'il n'y a pas aucun texte encore qui nous vient concernant ça, parce que nous autres concernés, l'État, nous cause un petit peu le sida, ça qui peut arriver, ça l'en est un petit peu, nous voir statistiques, nous voir bonne activité programme et après bonne les autres choses qui nous passent, bonne diminuer le texte. Nous avant nous vraiment terminer, pareil dit c'est celle qu'on nous statue, à faire ou test s'il vous plaît, si vraiment ou pendant ou doute ou pendant ou l'inquiétude, si une personne n'a pas encore fait un test, là il plus qu'il est pour aller. Et seulement, mettez en tête qu'il y a un an, sa pandémie COVID-19 qui là, il est où peut faire bien. Si vous avez un petit call et vous êtes capable de mettre un rendez-vous, si vous avez un petit call, arrive Koto. Non, docteur? Merci. Docteur Gabriel, merci beaucoup pour faire le temps, là, bon matin, pour venir donner un petit peu plus d'informations pour Salonne qui peut passer pour World AIDS Day, mon approché et travail, là, nous connaissons. Dans la pandémie, si là, qui tout le temps est là, et là, dans la pandémie COVID-19, encore parle là, comme si pour le travail, il double, je ne peux pas dire. OK, oui, bien sûr. Mais c'est nous, sans que nous avons un bon acteur, bon dimon au niveau national, qui permet beaucoup d'efforts, nous avons un bon, au niveau bon gouvernement, non gouvernemental, et nous remercions les autres pour toute bonne activité, ou même au parlement, prison, tout ça là, pour que c'était une bonne activité. Et nous connais bon travail à la santé, puis c'est fort pour nous capables de faire tout. Condom distribution plus accessible aussi, de bonnes droits triage. Tout bon quelque chose qui nous peut faire, il nous dit merci beaucoup à cause nous besoin des autres pour nous capables d'avancer avec ça, agenda, pour nous capables terminer sida, terminer bonne inégalité, terminer COVID aussi. Peut-être que je demande une dernière question, tu as donné qui est dans ce domaine. Ou quoi, sida pour éliminer si c'est ça? Parce que c'est celle aussi dans le monde entier. Nous tout le temps vivons avec ça l'espoir qui nous permet la fin avec sida. Ici, 2030. Peut-être qu'il n'y pas arrivé 2030, mais si nous tout nous faisons, nous pas, hier, nous tenons un programme qui est un peu cause de là. C'est qu'il y en a un certain pays qui élimine HIV dans un petit baba. S'il n'y a pas aucun enfant qui naît avec HIV. Sida, HIV. Oui. Après un certain temps, sa bonne pays peut mettre plus en place au bon du monde qui déjà là, qui peut donner plus sa bonne soin. Ou pas peut gagner nouveau du monde qui peut vivre, qui peut gagner infecté. Ou pas peut gagner nouveau zen qui peut gagner infecté. Ou bien nouveau adulte qui peut gagner infecté. Après un certain temps, on a réduit la quantité HIV qui en a dans la population. Et si tout le monde fait son prévention et tout le monde qui en a HIV prend traitement bien, il pas pour transmettre la quantité.
et nous capable voir une réduction même s'il pas arrive zéro il va vivre pause un petit peu comme si ça va descendre descendre graduellement oui mais c'est moi il y a quand c'est quelque chose pour nous faire comme il pas dit au niveau ministère de la santé mm-hmm. mais aussi bonne les autres organisations aussi qui pouvaient se faire autre part un clic c'est le en entier oui tout définitivement et si une maman qui est enceinte ou fait si ou pas ou fait ou test si on a HIV ou prend la tisane pour pester baba gagner et tout ça là il y a un bon protocole qui nous besoin suivre pas facile mais ou besoin imaginer qui ou besoin empêcher encore une nouvelle infection à cause il pouvait venir faire ado pour 18 ans encore pour capable de ses enfants pour prendre la tisane so il plus bon que on empêche les gagner et prévention il prend une grande partie de notre travail. Okay. Voilà, c'est celle qu'on nous statue, faire ou test et autant que possible. Pareil, docteur Gabriel dit, prévention, il plie bon. Alors, ça, il plie préférable pour qu'on nous statue à ce point-là, qui nous peut causer là, c'est tout. Dans ça, l'état pandémique COVID-19 qui nous l'a donné. Docteur Gabriel, encore une fois, merci beaucoup. Merci, Carole. Bonne journée aujourd'hui. Bonne journée aussi. Et bon courage. Merci.